Gros nouvelle, mon ami yo, bienvenue. C'est sous TAC 509 ou connecté n'importe côté où yé. Depuis où c'est haïtien, ou doué compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travail là, capable avancer. Zami Pao Foucault. 6-7 juillet 2021, jour pour jour, date pour date. Mesdames, mademoiselles et messieurs, pas gagné qui changé. Première fois, c'était une tentative et c'était déchoucaille, mais fois ça, c'est président Jovenel Moïse même, yo déchouqué sous pouvoir. Donc, face avec crime ça, diverses gros autorités parlaient. Et non seulement ça, tout pays les États-Unis lui-même, qui c'est première puissance mondiale, qui toujours a supporté pays d'Haïti pour bien. Dit et président américain Joe Biden li réagit et nan moment là diverses gros décisions à prendre pour qu'on ait qui sak la cause président assassiné et nan minute n'a parlé à la information que nous ka fait confiance qui arrive jour nous c'est que Jean-Robert Dorsena qui tape essayer traverser frontière là après président Luis Abinadel te dit tout bloquer toute frontière pour pièce moun kap sorti en Haïti pas passer et moun kap sorti en République Dominicaine pas rentrer doublé effectif soldats qui sous frontière et bien mesdames mademoiselles et messieurs yo arrivé mettez et citoyens ça en bas code c'est ensemble de informations ça yo ak divers lot encore nous porter pour moi invite au reality chez ba ou chita confortablement fou ko zami info pa rentrer la caillou pral ba tout tripotaille ça yo nan bon timamite. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y est? Encore une autre fois, m'a dit merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer. Et merci pour fidélité ou patience. Merci parce qu'on like. Merci parce qu'on abonne. Et merci parce qu'on partage la vidéo. Ça fait nous plaisir en pile en pile. Encore une autre fois, si vous faites tomber sous channel là, pas hésiter à activer cloche de notification pour là. Pour pas rater aucune vidéo, ses amis par Foucault. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, par rapport à Zach assassinat, ça qui fait Kai président, diverses gros autorités n'ont pays a parlé exprimer frustration face avec ça qui rivait que yo estimé que c'est une honte pour société, c'est une honte pour chaque green haïtien. N'a commencé ensemble avec sénateur Joseph Lambert qui c'est président Sénat qui déclarait lui-même mon émotion est grande. Je suis confus cette nuit. Le président Jovenel Moïse a été assassiné avec la plus grande véhémence. Je condamne ce crime odieux qui rappelle l'urgente nécessité du grand dialogue haïtien. Nous devons donner raison à nos institutions. Rapidement, eh bien, Reginald Boulos lui-même t'a pral déclaré. Nous gagnons président Joseph Michel Martelly qui déclarait Haïti s'est réveillé avec la nouvelle de l'assassinat cruel du président Jovenel Moïse. Je garde son épouse dans mes prières et partage la douleur de sa famille à qui je présente mes sympathies. Un coup dur pour notre pays et pour la démocratie haïtienne qui peine à trouver sa voix. Mesdames, mademoiselles et messieurs, nous gagnons Nicolas Duvalier qui déclarait « Je condamne avec la plus grande fermeté l'assassinat du président Jovenel Moïse. Mes sympathies à ses proches. Ce crime politique ne doit pas rester impuni. Et on attend des autorités l'arrestation des assassins ainsi que les auteurs intellectuels. » Mesdames, mademoiselles et messieurs, pour nous continuer, eh bien, président MTV a lui-même l'y déclaré assassinat président Moïse là c'est une mauvaise nouvelle pour Haïti et nous condamnons à toute force nous qualité crime ça nous red quoi violence pas jamais une solution n'a demandé la justice fait travail li peuple haïtien doué met tête ensemble pour travailler pour la paix et sécurité MTV Haïti. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, assassinat ça, m'pas caché d'où, matin là, li choqué le monde entier, tout pays a posté. Et non seulement ça, tout pays a dit qu'être, nan ki niveau pays d'Haïti, rive là, pour essayer nan yon situation comme ça, pour nous arriver assassiner yon président. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, Laurent Lamothe, lui-même, ex-premier ministre, nan, qui s'est dit face avec assassinat ça, lui déclaré dans un tweet que le fait, sous compte Twitter, un commando de mercenaires étrangers lourdement armé pénétré au domicile du président d'Haïti à 1h du matin, en se faisant passer pour des agents de DIA, l'ayant abattu et blessant la première dame lors d'une lâche attaque, traduit les tueurs en justice par le biais d'une chasse
à l'homme international est nécessaire. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, qui paraît stupide, très stupide. Attends, comment ça passe ici? Nous perdit tout ça nous t'es gagné en tant que peuple. Pour yon équipe moun débarqué, pour président de sécurité, ça qui comprend bien, ou frères et sœurs. Pour président de sécurité, et toi, équipe, oui, qui baille président sécurité. Gagne on se devant porte chambre président li, oui. Attends, attendez bien. Pour machine à patre, pour yop di nou di IE, nous connaît pas de gain drogue, nous connaît pas de gain rien. Just depuis nous t'en se blanc, depuis nous t'en se DIE. Oui, tête nous tout chaud. Tant que nous remè blanc, nous remè posterne. Depuis moun nage couleur, nous prêts pour nous faire tout bagay. Mais, connaît bien. Si, Dessalines ni même que nous encore. Que nous t'es assassiné. Si li t'es plié, si li t'es marché tête baissée devant blanc français, journée jodi a, nous pas tapé au peuple qui libre jusqu'à présent nous tapons dans esclavage. Donc chaîne n'a pas dans pied nous, mais chaîne n'a dans cerveau nous parce que ou pas qu'à chef pour arriver yo marer nous tout, yo mettez nous coucher et puis yo entrer yo assassiner président, madame président blessé et puis c'est comme si rien n'était. Eh bien mesdames, mademoiselles et messieurs, information qui arrive joindre nous, c'est que, tendez bien, coordonnateur Commission nationale des armements, démantèlement et réinsertion, Jean-Robert Dansena lui-même, li t'a passé par Belader pour lager pied en République dominicaine, eh bien, yo arrivé mettez monsieur en bas code. On président pas qu'à mourir, ou même qui responsable pour démanteler gang dans le pays, et pour c'est comme ça, ou choisi traverser pour péter courir. Qui s'est passé? Faut ou vin bay explication de ça qui a passé là. Mesdames, mademoiselles, mesdames et messieurs, on revive discours ça que président Jovenel Moïse lui-même n'était pas quand il a déclaré président ça nous pas qu'à assassiner lui pas quitter pays ni tout le pas by vague entendez pour que ça nous pas perd 4 ans et puis nous perd 6 années à 11 ans hein on tire ce mandat c'est ça qui dérange nous monsieur monsieur va pas oublier. Ma parle avec nous oligarques corrompus dans le pays. Songez dans la campagne, ça me dit. Moi, je dis au commencement de la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Je dis à décider pour me commencer par la peuple, moi encore, parce que c'est lui qui a bon pouvoir. Mon grand boss, même quand je suis devant, je ne peux pas ici. Sous même, ou t'as gagné l'idée pour venir boss, pam, al mette au nom de peuple là. Ou pap ka boss moins parce que président ça aujourd'hui a koke nan gorjoua li pa gen boss li gon grand boss peuple haïtien. Mais di nou aujourd'hui a système pesé sous ces ça que nous construya. Ce système ça c'est lui même qui gen pays a non instabilité politique, non instabilité économique avec une instabilité sociale chronique et instabilité ça yo. Ça veut dire turbulence nous yo. C'est eux qui baillent misère, pauvreté. C'est eux même qui baillent insécurité, kidnapping. C'est eux même qui baillent. Et vous me dites que ça a servi tout. C'est eux même qui baillent raté artificiel gaz, raté artificiel dollar. Sous avec gaz là, monsieur. Bon, vous me parler avec nous. Pourquoi ça nous fâche comme ça? Bagala nan men nou sonje l'autre rele m nan téléphone m décide pas la voir matin oligarque corrompu ça k'ap tande m k'ap gade m la l'autre rele m nan téléphone ou di m kon sa gen 50 ans président depuis ba la fête kon sa m di ou gen 50 ans de pou voler jodi a ba la pa ka kontinye fè kon sa ou sonje c'est ça m te répond nou ou te tellement peur l'aime fin répond nou kon sa. Vous faites plaisir, si moi, vous pas venir dans le pays. Je dis à ma dit nous, je ne pas venir là pour me persécuter, nous, monsieur. Même venir là pour me dire nous comme ça, l'argent gratuit là, songez, je dis nous ça déjà, à le mettre la banque, ou bien aider mon orphelinat avec lui, ou bien aider construire l'école, parce que si le gratuit, ou à côté pas, le gratuit, pas gratuit, ça le fait? Ah ben, ok. L'argent ça, si vous ne cherchez pas un genre pour me rester tranquille avec lui, pita tapitris. Parce que le peuple, là, il prend décision. Il va me pouvoir. Je fais 4 ans si nous suivons, je ne vais pas persécuter personne. Mais ça me fait, je me connais, je fais mal. Contrat que je me coupe, je peuple, ça m'a prouvé gaz,
ou te kon vann longtemps l'état pa kon pril la m'a pas la vo ou l'état pa kon pri gaz la ou te kan pou di m depuis 50 ans la fait même gens l'aime fouer mais la donne à partir de mois mai 2020 l'état haïtien kon ya kon ki pri l'acheter gaz nan un an seulement te fait 300 millions dollars dans gaz la ou songe ça m'a pas la vo moment fini jodi a m décider parler avec vous parce que pour qui ça va me parler avoir va me parler avoir pour moun sa yo kon nan ki bataille mwen ye fa yo kon nan ki bataille mwen ye songe lèm fank monte président en 2017 songe émissaire te voye côté m nan ki te vinn di m kon sa ke 4G a c'est pour 10 millions de dollars pour m ka fè 100 premier jour m nan lèm dan de 10 millions de dollars m fank monte président m pa m kon sa 4G non nou kon sa 4G a peuple la ah ben bon nou pa kon sa 4G a eh ben si a pou sa nou te voye m kote nou voye m nan la rue pou m ouvè zye nou pou m balak toro yo 4G a nou kon ki sa liye gado telefòn intelijan nou gen la si gen internet nan zon nan n ap pral make 3G pa vre sa vle di 3e jenerasyon 4G a se 4e jenerasyon sa vle di son lisans liye men ki eske ki vann lisans sa se l'etat ki vann ni mwen menm fèk mon te prezidan Gonèk ki vin di mon cher, nan 100 premier jour bon 10 millions de dollars, di monsieur Bozé. Tande ou vez oreille nou. Après 2 ans, mwen resevo un gros taux encore. Li di m président pa pa janm dire sou a fè 4G. Di monsieur sak 4G, menti. Mon jan a passé li, m di sak 4G. Konya, li di m 4G c'est 4e génération, m di ah c'est vrai. OK. Mon cher c'est 70 millions de dollars yo offre pour lui 4G te 10 millions en 2017 les 10 millions en 2019 les 70 millions on dit bon 4G ça faut me chercher marini ak parini papa 10 70 pendant pays a prend du feu bon gros toro me bay gros job oui les vin dit 4G a président 150 millions dit oh dire faute gardons 4G qui vient pour nous papa 10 millions 70 millions 150 millions me poser pire regardez me chita sous 4G là on va dire on y a goto dit qu'on ça bon nous on ça passer avec 4G ça pour le régler on nous investit son cob dans transition là nous on va parler avec moi on dit qui m'a parlé Nègyo pou son l'argent n'importe où prince la bas. Pays a bloqué attendez, du fait libre. Et puis il y a un qui relève dans téléphone dit mon président, Jean Bala est là. Wap est-ce qu'on va quitter tout pays à bouler net ou bien président, faut aller au président. Me dit monsieur pas me dit ou bien. Me dit monsieur qu'on qu'il aime pas aller, dit qu'il est président. Me dit monsieur 7 février 2022. Monsieur Jo. Ça veut dire pays a c'est normal. Si nous voulons sortir dans sa lié, faut diviser 100 par 10, faut diviser 200 par 10, ça veut dire ça que t'es supposé faire dans 100 ans, faut le faire dans 10 ans, faut diviser 100 par 20, faut le faire dans 5 ans. C'est ça pour lié. Parce que nous faisons 217 ans, combien de temps nous rien depuis nous indépendants, on a fait même pas là. Chaque temps où nous montons le président qui a fait un bar pour le pays, nous diabolisons, nous assassinons, nous fusillons, nous exilons. Ça va juste pas. Et c'est ça que m'a dit 1er mai, m'a dit, m'a dit tout le monde prendre, m'a dit encore, petite là, la fête, et si c'est césarienne pour faire couteau à mener, m'a coupé votre là, m'a sauvé ni petite là, m'a sauvé ni maman, c'est lui m'a dit, et c'est ça m'a fait. M'a qu'on fait crime, m'a qu'on sauve le monde, et c'est lui m'a dit, c'est lui m'a fait. Et c'est lui qui a fait nos affaires courant là, m'a sauvé ni petite là, ni maman. Ça veut dire, Bistouri est toujours là pour opérer, maman. Parce que son opération pour faire dans Zanouya là. Janouya, la petite la pape qui a fait dans la couche normale encore. C'est Césarienne qui a fait. Et la fête, chaque monde prend chaque jour. Un monde qui parle le fait tout, je répète encore. Quand il est sur le côté, la justice n'a pas là pour vous. Parce que le pays ça nous trompé, trop. C'est nous qui avons l'argent. C'est nous qui avons moun pour écrire toute qualité bagaille sur moun. Assassiner caractère moun, détruire moun à coup de plume.
dans les réseaux sociaux, ça finit. Jodi a m'di, campagne électorale m'était fait à côté m'te dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est ce moment ça tourne. M'tourne dans un moment pour m'parler avec le peuple, pour m'parler avec nous tous. Pour m'dire nous suspendre. Ça n'a pas fait, nous commençons à faire trop longtemps. N'a pas fait, depuis 17 octobre 1806, nous tuer des salines. Depuis le ça, nous pas jamais suspendre. Jodi a nous-mêmes, petite soyez à l'école, nous disons assez. Et nous dit tout le monde campé. Frené, c'est en tant que nous besoin. En tant que gauche, en tant que rouge, en tant que noir. En tant que monde riche, en tant que pauvre. En tant que monde la ville, en tant en dehors. C'est ça nous demander. En tant que diaspora, en tant que vivre en Haïti. C'est ça nous demander. Et c'est lui qui nous fait. Si vous ne pouvez pas faire, nous nous mettons sur le côté. Parce que fuck les faits, le pays n'est pas capable encore. Cette histoire divisée pour le moment ça a fini. L'État, c'est lui qui a tout moyen. Et pourtant de chaque élection, tel candidat a tel groupe. C'est pour ça que je demande, prochaine élection que je vais faire, conseil électoral qui est presque fini, je ne vais pas dire fini même. Dans la loi électorale là, il faut que les codes qui mettent PM dans le budget pour financer les partis politiques qui parlent dans l'élection. C'est trois bâtons. Même l'État, ça, nous qui nous fait tourner l'État pesé sous ça, que nous-mêmes nous pesé, nous sous ça, que nous prenons l'argent pour nous financer les gens, pour prendre le pouvoir, leur fini pour nous diriger par des. Je dis à 6 mois, nous te financer, nous disons ça. Coupez mes noms de bombes blanc. Parce que politique qui vous faites dans le pays aujourd'hui est politique peuple là. C'est politique monde qui est plus faible, c'est politique ça que vous faites. Ça veut dire, vous êtes riche, c'est vous qui êtes plus riche. Ça veut dire, il faut que conditions réunies pour faire l'argent. C'est pour ça que vous faites aujourd'hui, nous prenons une décision ça. Pour nous retirer dans le problème qu'on y a. Directeur DHS dit 400 MW, je suis DG. Port-au-Prince, je dis à ma balle avoir la besoin de 600 MW. Parce qu'il y a 400 MW qui est en co-génération. Ça veut dire, moun ka produit propre courant pa yo. Palais national, BRH, tout. Gardez combien de grues nous avons là. Ça veut dire, toute grue, ça, c'est gros building qui a bâti. Mais qui courant qui va le faire au marché? Génératrice. Même si je me dérive derrière le palais, je n'ai 8 génératrices en bas pour là. C'est eux qui appellent même mon cas qu'on y a avec mon petit guave. Nous devons bouger à me débrouiller. En pile plein de fait, président, pour un génératrice, oh, il y a tant de projets. Le peuple n'a pas de voter, mon qui est sur le génératrice, il y a de voter. Je vais mon cas qu'on a avec mon Jérémy, avec mon petit guave, mon aguane. Et c'est pour ça que je me débrouille, parce que je connais Jodi, ça t'a privé. Jodi, à building, ça a construit, sous station, ça, c'est lui qui va l'alimenter. Mais c'est pour ça que je me débrouille, génératrice, parce que je connais, il n'y a pas de besoin. Ça a dit sous station ça là, qui a construit là. C'est lui qui peut alimenter tout centre-ville là. Tout gros building ça, toute cité administrative là. Tout le monde qui a un business dans centre-ville là. C'est sous station ça, c'est lui qui peut alimenter. D'ailleurs, m'a dit tout le monde, mettez courant. Ou même qui a produit propre courant par ou. On a niveau 400 MW. Les couteaux, ou achetez parfois. Non mais. On l'autre monde, on l'autre grenègue à 22-24 centimes. Moi-même, je dis à ma décision pour me reconstruire les réseaux électriques métropolitains ou même qui n'a industrie ou même qui n'a hôtellerie. L'État va le vendre à 15 centimes kilowattheure. Ça, il doit faire 7 centimes sur chaque kilowattheure. Mais posez une question. Pour qui ça l'État va vendre à 15 centimes? C'est parce que les cactes qu'on achète en moyenne à 32 centimes longtemps, je dis à nous gagner des prix cap aussi. Mais dit docteur Alex DGDH parlait à 8 centimes. C'est pour ça l'État parle qu'avant nous à 15. Et pourtant même l'État ça t'a pas acheté à 32. Dans mon équipe ça papa cap vana à 32 de bouton de parler d'affaire 32. Je dis à papa, pas de bail de Lyon, mais Lyon, mais le camp devant nous. C'est peuple là. C'est moi qui représente. Ça veut dire, dépôt, tendez.
ou voué mon nan fè peuple là m'a retiré et ça veut dire yon gens on ka retiré m konnen nou pa parler tout moun pa di tout bagay mais moi-même moi dis ça m'a gouma avec nous pour nous suspendre fouiller droite nous nan jakout zaka jakout peuple là pour nous suspendre. Parce que mettre courant dans pays, ce n'est pas affaire président. Li. Et m pas de venir m'tande ce sandap marché dit pour me retirer un groupe pour me mettre dans l'autre groupe. Depuis le monté président, je vais nous tous qui sont dans le courant. D'un voyage avec nous à Paris en décembre 2017. Nous tous dans le même avion avec nous. Nous tous dans le même hôtel avec nous. M'a parlé aujourd'hui. Et m'a dit nous, nous 300 mégawatts. Mais faut nous battre à 8 centimes. Nous te dit nous pas capable. Nous finissons nous capables, après nous disons nous capables. Eh bien, je dis à moi-même, je n'y. Moi-même capable. 8 centimes, non, c'est l'inap mené par le pays. Pour que nous vêtons à venir. Mon en Haïti, par contre, j'aime qu'on soit le fait nous encore. C'est l'inap poté par les 8. 8. M'de dit nous. Bon bloc de venir, les m'a parlé. Vous connaissez. La balle m'dit blanc, Mr. White, I need one digit. Il va te comprendre, blanc dit, oh, ou pas besoin de jouer une balle comme ça. Yo, que t'es mené blanc. Parce que moi, si c'est un digit, moi, m'te pas, c'est 9 centimes que m'te ka. Ça veut dire, c'est pour toujours, c'est one shot deal. Ça veut dire, pas une balle, comme si pour payer à la longue vente même. Ça veut dire, yo, mené blanc. Blanc, lui, même, d'accord, pour le davant, n'a eu tout. Mais sur 8 là, je vais remettre 8 même. Pour le 26. Moi-même, je dis à peuple là, où je viens pour un contrat à long terme. C'est sous ça que je travaille. Et c'est sous ça équipe solide, ça. Premier ministre Chita là, ministre de la République là, directeur général EDH, conseiller en énergie. C'est sous ça que je travaille. Pour mener ma ou en 8 centimes durable. C'est pour ça que nous te mettons. Nous te mettons, président, pour me dal goumen. J'aime te dire, nous-mêmes, nous savions hier. Bataille n'est pas facile. Puis, nous comprenons. Chita dans le palais national, dans le temps est conditionné. Ou après, je vois gros taureau, gros chabouac, son bail qui facile. Pour retourner pour voir ça, c'est difficile. Et c'est ça m'a fait, je veux dire. D'un coup, j'en ai un balai sous affaire de gros tracteurs achetés pour curer. Sali Flodoué. Pas de temps, tu as fini de dire ça tellement parce que hier matin, ça me dit ouais, ça vient tellement faire me fâcher. Pas de temps, fini de parler avec nous, dans le canal là. Mais dans le budget national, le canal, ça chaque année. 10 millions de dollars pour Kirill. Et puis, pas j'aime un coup de pelle qui fait dans le canal là. C'est pour ça que je demande au premier ministre, le ministre de la Justice, il est là. Ministre, oh, ministre finance là, pas ministre justice, ministre, on bien content ministre finance là. Pour bien garder pour moi, dans le budget agriculture, ministre, l'argent qu'on tire ça livre d'oya, n'a pas viré dans le budget d'investissement au DVA. Parce que au DVA a besoin l'argent, je dis. Au DVA, bah, j'en mets 5 cob, parce que comment cob la diviser, ça livre d'oya, mon quantité, tel bagage. Ça veut dire, c'est des cob de bien lait. Comme la prend. Ça veut dire aujourd'hui, à nous acheter 3 équipements. Première fois, équipement ça revient en Haïti. C'est 3 excavatrices amphibies qui coûtent l'État haïtien 2 250 000 dollars pour 3. Attendez. 3 excavatrices pour 2 250 000 dollars qui ont garanti 5 ans sur eux pour entretien et réparation. Même si nous t'a dit, c'est chaque 5 ans qu'on a acheté. Ça veut dire, après 5 ans, nous finissons garantie. Nous vendons. Nous achetons 9 ans quoi. Calculez combien de blocs coûtent nous. Pas année pour nous qui est Sali Flodoué. Qui te compte pour 10 millions de dollars dans le budget national. Jodia, mon ami, dans la politique qui est le président, c'est un plusieurs péchés capitaux qu'on fait. C'est quoi qu'on retire dans le canal Sali Flodoué. C'est que vous travaillez ou pas contre qui l'orgue mon en face. Ma jambe connaît si équipement ça ou mal acheté à mettez mon en face moi parce que nan kob ça l'elle mettait nèg ça apprenti mo sou travail ça
son petit compagnon qui fait l'autant de si pour te faire 1 km dans le canal là, parce que son canal qui mesure presque 20 km, mais ancien ministre Thomas Jacoula, c'est 20, salut Flodoué. 9 km de longueur canal la mesure. Aïe Dieu, séparer l'antimozo, dimozo. Et puis, j'entends, le canal va jamais qui vrai l'argent payé. C'est pour ça, nous, que bagayo, yo difficile. Et à partir d'année ça, ces saisons sèches là, moun nan la Tibonite, la commencé. En novembre, nous gagnons équipement pour curer le canal nous. Et équipement pour le travail 24 sur 24. La police gagne instruction, DG, DG ak la, que me dit merci, moi, j'ai envoyé machine pour sécuriser toute zone ça yo. Il y a 5 machines tout neuf calé et construction commissariat a commencé pour que moun verret, moun liankou, moun ti rivière, moun marchand, moun poche pierre, moun villa, moun lester, moun dedin, moun ti dedin, moun grande saline, moun la grange, moun bokozel, pour que nous même moun semak, pour nous gen souffle moun pour sonder en bas griffe vagabond capiche nous vivre moun ki konnen moun sa ou t'ap travay pour chercher on l'autre bizan la mère nous parce que c'est pas possible peuple là li mande la paix seul choix nous gen dans sa noue qui a passé le bord. Konya, n'a pas entré dans le sujet, je dis à qui c'est. Nous, dans bon français, pour aller gagner une sous-station. Mais pour nous comprendre bien, peuple, ça qui est une sous-station. Une sous-station, on va nous dire qu'on est bien dans la zone métropolitaine. Non? C'est un coup. Ou bon de l'eau sale qu'on va le traiter, pas vrai? De l'eau a couru et puis l'arrivée, l'entrée dans le système de traitement pour le bord de l'eau propre pour le gaboya. C'est même gens courant. Seul côté qui a une ligne haute tension dans le pays, c'est Pélig pour arriver à Port-au-Prince. Ça veut dire, c'est ligne 50 km qui prend 54 MW qui sont Pélig là, qui mène à Port-au-Prince, qui tombe dans la sous-station. Et puis à partir de sous-station, ça, distribution, comment c'est fait? Gon connexion fait de sous-station, si nous continuons dans mon l'hôpital là, nous avons de gros poteaux qui passent tout, qui passent tout dans la zone de savane pistache, monté par derrière Fontamara, poteaux ça yo, y aller dans sous-station rivière froide. Et moun ka fou kap gade m'la, connaît qui côté sous-station ça y est dans rivière froide. Maintenant, tout système ça en tout, capable de porter jodi a seulement jodi a pendant ma parler avec nous 252 MW mais li construit pour 353 MW mais jodi a ou pas ka mettre plus passer 253 MW sous li ou pas ka mettre plus parce que le pape ka recevoir plus. Et Port-au-Prince besoin 600 MW. Ça veut dire qui ça? Même si vous avez 600 MW là, pas de route côté pour le passer. C'est même genre, un monde qui t'a remis notre trailer 40 pieds, je dis à Caris, bon exemple. Ou pas qu'à mener un trailer 40 pieds à Caris, parce que route qui sortit Wadamet pour arriver à mon organisé, pour sortir mon organisé pour aller à Caris, ça. Li pa permet état Jean Koubioye, li pa permet que trailer ça arrive Caris. Même si ou passez par mon ben cochu, mais là arrive dans mon drainer, ou vin quitter Bois de Lorès, ou pa arrive. Eh ben c'est ça tout. Couillon. Même si ou gagne 600 MW de Port-au-Prince besoin, jodi a pa gen route pour le passer. Eh ben mais wall 157 millions de dollars. Parce que bon 7 millions en plus, on va l'expliquer nous qui ça 7 millions et peuple là faut qu'on ait. L'homme prend décision pour te électrifier pays là. Malé Taïwan et
président Taïwan, non? Président Tsai, te recevoir moi dans visite d'État. Et yo d'accord pour te prêter 150 millions de dollars. Daniel, à la toi de Sobou, moi pas te raconter reste là. Et là, m'te parti m'bal Taïwan. Mala, je dis à, pas gen bien caché l'ombre dans le côté de la rue là. C'est dit le janvier. Le Guinée qui vient de ça, dit le janvier. Bon. Moi, je fais ma comparer de président Sénat avec président Chambre députée. Ça veut dire le président de l'Assemblée nationale et le vice-président de l'Assemblée nationale. Deux témoins. Je suis parti mal d'ailleurs avec eux. Pour assister à tout ça, nous avons fait. Eh bien, bah, là, c'était bien compté, mal calculé. Je suis venu signer. Je suis venu avec le projet. Moi-même, je connais ce projet après le passé. Comme ça. Je prends le projet, je vais dans le Parlement. Chaque jour, je dis, il y a fait. Comment? On a assemblé comment? Non, conférence des présidents. Il a fait, fait plusieurs fois. Mon l'autre bail. Non. On a assemblé pour faire chaque. Mais on a fait le président qui a mandé et puis le mettre. Ok? Non. Assemblée nationale. Bon. Il y a une assemblée nationale spéciale qui vous permet, ça veut dire assemblée nationale à l'extraordinaire, mais c'est moi qui vous demande. Parce que, première fois que je prends, dès que je dépose la gonne 6 mois passé, et puis la chambre fermée, la chambre en vacances, je dis pour me prendre un bail rapide. Mais même les gros conseillers, on est, gros savez dans le palais national, courir préparer, assemblée nationale extraordinaire, vie, considérant, guatique. Bah, nous voyons aller. C'est dans que j'en dis, femme, l'imamba. Assemblée nationale extraordinaire, bah, j'en fait. Qu'on y a depuis les âmes, comment j'ai dit, ça a passé là. C'était bah là, c'était pour le passer normal qu'on y a assemblée nationale. Qu'on y a session ordinaire, vient nous reprendre. Depuis la session ordinaire, reprendre, dit Félix Mamba. C'est là ça, tu as drôle de choses, et puis il y a des gens tout. C'est ça, il y a des victimes collatérales. Premier ministre Lapin, le président William, tout le monde sont des victimes collatérales. Parce que le problème, c'est des affaires courantes. Différemment en bas, nèg mette tiba dans la machine climatisée, descend en bas. Tiba fin, descend. L'autre bail pété. Il me dit, mais ça va passer pour qui ça? Bah là, parce que son premier ministre qui n'a pas mis, pour qui ça, tout ça? Et pourtant, ce n'est pas déjà fait, premier ministre, non, peuple là. Premier ministre, je sais, il était là, au mauvais moment, à la mauvaise heure. C'est à faire pour contrat Taïwan va passer, non? Et c'est ça que tu as réglé. Contrat 14 mois. Rambas. Et me dit, je compte les gens qui prennent le bras. Dans le sens pas. Tout le monde connaît que je suis démocrate. Je suis là pour encourager le renforcement des institutions. Mais le peuple a bon pouvoir. Ou pas qu'il doit prendre le pouvoir, le peuple a bon pouvoir. Pour faire volonté un groupe de monde qui construit un système pesé sous ses des oligarques corrompus. Qui construit un système pesé sous ces pays depuis 10 ans, vous ne pouvez pas faire de travail. Vous devez avoir de courage. Même j'en prends courage, ma deux, mais je dis. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, bagaille triste, bagaille grave. Donc, nous capables de comprendre pour qui ça que le président mourit, c'est parce que n'a pas allé. Et je vous dis, bagaille clair devant nous pour nous voir que le président, même sécurité, le bat de gain. Li même tous les victimes de insécurité dans le pays. Li tap bataille pour mettre sécurité, mais côté sécurité. Parce que si quelqu'un mourit comme ça, yon soldat pas blessé, pas de monde qui font, et pas de monde qui font tentative pour essayer de courir, pas de monde qui yon djou qui tap sauve le président et puis qui blessé, pas de manœuvre qui fait juste assassiner comme ça, et puis bah elle a fait. Et dans ce moment-là, m'a caché tout gon campagne qui a fait sur les réseaux sociaux, yon pour faire quoi? Pour personne pas parler, même sous te connaît, même sous pas te connaît, que ferme bouchou parce que système reset. C'est toujours comme ça, frères et sœurs, parce que yo connaît comment nous fonctionner.
et ceci yo créé moyen pour yo faire nous peur. Si président lui-même qui t'a dénoncé mouri dans état comme ça pour causer dialogue, dit non ça pas arrêter comme ça. Depuis 20 ans 50 ans, on a fait tel l'argent tel côté fond bloqué le faut que peuple la joigne. Malgré nèg yo fin riche, malgré yo fin fait, yo fin gè tout ça yo gagnant là. Donc en ce sens, ou est que moi-même ou même ou pas épargné parce que journée jodia, président lui-même encore les victimes de insécurité ça qui a rongé pays. Est-ce que gè moun qui épargné? Donc moun qui crée là seulement, moun qui gen la loi, moun qui voye tuer, donc c'est lui-même seulement qui ka ba explication ça parce que monopole là c'est nan men yo lié nan moment c'est yo président. Donc Jovenel ka toujours président. Jovenel te sou te un pop étoile, Jovenel te just nan place là. Mais en fait c'est pas lui-même vraiment qui te président parce que si au moins de gen respect pour président, si au moins nous te respecter premier citoyen dans pays a franchement, c'est pas comme ça, c'est pas ta nouvelle ça nous t'a réveillé matin mais nous t'a supposé réveil avec une nouvelle que gain courant que tout bagay en forme que gain sécurité que pays a fonctionné que tout monde a le travail sa nouvelle ça nous t'a supposé lever. Donc rien pas nouveau sous soleil pays d'Haïti a depuis après 86 ou après l'autre c'est con ça bagay a plaider répéter mesdames mademoiselles et messieurs franchement nous arrivons bon moment m'a demandé est-ce que changement vrai il existe tout bon vrai pour pays d'Haïti. Mesdames mademoiselles et messieurs eh bien information pas fini là OEA lui-même qui fait déclaration ça OEA déclaré, nous condamnons dans les plus forts termes cet acte criminel survenu ce matin. L'assassinat du président Jovenel Moïse, cette attaque est un affront contre la communauté des nations démocratiques représentées à l'OEA. Nous déplorons cette tentative de saper la stabilité institutionnelle du pays avec le plus grande véhémence. Nous rejetons cet acte répréhensible. Les désaccords et les dissensions font partie d'un système de gouvernance vigoureux et mûr. Les assassinats politiques n'ont pas leur place dans une démocratie. Nous appelons à finir avec une politique irresponsable qui risque de mettre en échec les acquis démocratiques et le futur du pays. Nous, nos plus profonds regrets et notre solidarité au peuple haïtien dans ce moment difficile. Nous gagnons ancien sénateur Jean-Ronel Senatus qui déclarait l'ordre démocratique condamné assassinat ancien président Jovenel Moïse. Image ça yo dit en pile pour pays nous cap souffri sympathie nous aller joindre famille tout peuple haïtien partisan ak sympathisan. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien qui ça les États-Unis lui-même li dit nan déclaration qu'il fait. Eh bien nan yon déclaration président Joe Biden fait nan occasion assassinat président Jovenel Moïse, moi saisi et triste pour m'tande assassinat terrible président Jovenel Moïse ak attaque qui fait sous première dame Martine Moïse. Nous condamnons zak raïssement ça et moi souhaite ak tout kem rétablissement santé première dame nan. États-Unis présente condoléances li bay pep haïtien et pou pare pou assister pendant que n'a continué travail pour Haïti garanti sécurité. Mesdames, mademoiselles et messieurs, kounya c'est moment pour nous tendre déclaration voisinage qui était dans pèlerin sec tout précaille président Jovenel Moïse cap expliquer comment bagay la teye, comment ça t'est passé, comment vous t'es senti les que coup de balle ça vous t'a chanté en dedans caille président. Nan mouri là parce que son ça me t'dit là bon pas quoi ça c'était 40 âmes et puis l'entre de son en là et puis il me dit bon pas de problème chéri on nous dormi l'en levé demain si devait raconte qui ça gagne mais ça c'est pas un mais ça fait parce que pour ça dans de capati dans zone là pour la première fois à mon âge j'ai 37 ans c'est première fois que me tendez un son comme ça comme son que son résident pèlerin 5 ou habiter dans pèlerin 5 mais m'habiter pèlerin 5 à quelques mètres de résidence président qui l'était bruit cartouche bruit entendu qui l'était bruyant il aux environs 1h30 comme ça aux environs 1h30 du matin et puis nous t'entendons bruit commencer nous t'entendons des balles comme si commence à tirer après ça nous vient t'entendons c'est des gros sons bon nous vient pas même qu'à 10 si c'est âme si c'est pas âme parce que pour jeune t'entendre sur ça nous pas qu'on jamais t'entendre sur ça du tout et que n'a habitué regarder film de guerre n'a habitué t'entendre son et balles on t'entend plus son cartouche en pile son cartouche en pile son cartouche à tirer et puis les madame t'entendre bruit à tout comme moi t'ai dit tout à l'heure. Les lever pour courir parce que tellement bruyant, t'es frappé avec fracas.
mon chéri, rete gade calme parce que c'est sur la terre nouye. Alors, n'importe qui l'est ou katende n'importe qui ça. Alors, on nous garde calme. Et puis, quand on nous dit, l'a nous lever demain matin, n'a connaît qui ça qui gagne, n'a connaît qui ça va gagner. Et pendant nous lever 6h du matin là, pendant nous toujours brancher Radio Mega, avant de faire quoi que ce soit, nous toujours faire nouvelle sur Radio Mega. Alors, c'est. Alors, fin de dossier. Alors, s'obliger Radio. Vous s'obliger Radio là. C'est Radio Mega là tout. On s'oblige Radio. Mais écoutez, c'est pas la première fois que nous vivons événement ça, même si c'est pas dans la même ampleur. Assassinat, M. Dorval. Donc, hier soir, nous avons des bruits à tout ça. Qui ça nous imagine, nous, qui ça nous dit dans tête? Bon, nous te comme te gagnons on semi-finale Coupe América. Nous voici c'est quelques monde qui a manifesté contentement yo. Bon président, ça habitué. Mais c'est là nous tendez balancer directement bon président, nous dit que ça va passer comme ça là, nous pas comprendre ça va passer. Qu'on a nous rete n'a pas de bruit et puis nous dit là nous lever demain matin, n'a connait qui ça gagne et puis là nous lever bon 6h du matin et puis c'est nouvelle l'amour président nous. Tendez qui était vraiment vraiment choquant pour nous parce que et que femme de bien président même si il a dit quoi que ce soit moi était toujours okay. Gain et respect pour président était toujours mais, gain mais excusez et lorsqu'on a un président normalement on doit se sentir en sécurité et nous dit c'est pour deuxième fois oui, ça arrive journée aujourd'hui un hein, président qui vient bon la caillou ça dit qui ça. Bon, ça dit que la sécurité m'a assuré. Alors même si je marche dans la zone avec un lait qui indigne, je ne connais pas trop parce que j'ai une sécurité qui est tight. C'est ça, ça dit, mais quand là, j'aime bien nous, on sait des bagages passer, quand j'aime bien nous, et pas qu'on côté au monde sur la terre. Par le côté au monde sur la terre, ok, ou en paix. Bon, il commence dans 1h du matin. 1h du matin, et il finit. Peut-être 2h. Bon, et après le président qui est victime, vous ne pas remarquer l'autre monde dans l'espace? Bon, je ne suis pas sorti, je ne connais pas en train de me moi-même, c'est voisinage du président, je me tendais. Est-ce que ça arrive avant le ça, dans l'après-midi, même les machins qui suspectent des gens dans la situation? Suspect, non, moi, je travaille à 7h du soir, excusez-moi. Et je ne peux pas remarquer si je suis en train de me parce que je suis sous moto, juste pour moto, mais je suis en train de me Alors, comme ce n'est pas la première fois que nous entendons, j'ai des événements de assassinat dans la zone. Par rapport à l'assassinat de M. Dorval, est-ce que vous avez entendu son salaire? Quelle impression que vous avez? Et vous bien sûr, l'assassinat de M. Dorval, je ne peux pas attendre. Je ne peux pas attendre, c'est dans deux matins, moi, ça va. Bon, et sur téléphone, moi, sur Internet, pareil, ça va. Bon, je ne peux même pas si M. Dorval est dans la zone. Mais le président, tout le monde connaît, il était ici. Donc, et en tant qu'habitant, et qui sentiment, journée aujourd'hui, nous nourrit parce que normalement, et il y a un privilège pour ta voisine immédiate au président de la République, tu as relativement garantie de sécurité. Bon, nous connaissons le pays, hein. C'est comme ça. C'est pas la première fois que ça fait dans l'histoire. C'est pas le premier président qui mourit sous pouvoir, bien que c'est pas dans la résidence. Et ça nous a dit, nous victimes de propre insécurité, nous. Et nous souhaitons, ça ne va pas reproduire encore, mais nous souhaitons notre président qui vient pour l'assurer et que pour faire de mieux pour ça arriver. Est-ce que vous pouvez expliquer nous comment on vit le moment? Ah oui, ça a vraiment choqué jusqu'à présent. Il est choqué ma pile parce que imaginons mon quartier, première fois moi-même, je habite dans une zone comme si qui gagne pile et bagaille ça. Comme si pour la première fois dans ma vie. Et comme si nous avons tout rafale. Moi, pour moi, c'est un tremblement de terre, vous comprenez? Parce que je suis habitué à la cité saleté. Hein? Et puis, bon, ça a vraiment choqué jusqu'à présent. Donc, sentiment, non, matin, moi, son quartier, côté que Sinapamplan était mal à mode là, nous sommes vraiment confinés, nous sommes en confinement. Et il n'y a pas ouvert porte. Donc, qui impression qu'on a en tant que voisine, peut-être que des gens qui sont à la caillou là où tout le monde est barricadé ou juste. Moi, même si je suis rentré là, quand je me décache, bon. Ça qui passe, c'est qu'on y a là. Nous sortons, nous disons, bon. Le président est bon, là, quand il est là, il est là, nous disons, bon, pour me sortir pour moi, ça qui est dehors à tout. Mais tout le monde a une raison de confiner. Ce n'est pas seulement Pèlerin 5. Nous confiner tout. C'est tout le pays à qui en branle. Comment vit la situation? Oh, situation jusqu'à présent, bah, vivre bien, je dis ça déjà. Que ça, tout le monde est choqué parce que on président de la République. Même les nous avons des problèmes avec, mais nous ne pouvons pas souhaiter ça. On va souhaiter la mort quand même. Voilà, et ça m'intéresse. Eh bien, voilà, 6-7 juillet 2019, président Patalé. Eh bien, 6-7 juillet 2021, président Selikale est allé net.
pas gè retourner. Nous capable gon l'autre Jovenel Moïse, mais c'est pas Jovenel Moïse ça, c'est pas président ça. Donc nous capable gon l'autre, mais c'est pas lui-même. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien militaire dominicain yo après président Luis Abinader t'est passé l'ordre pour fermer frontières, eh bien yo arrivé déposer la patte sous Jean Rebel dans Sénat qui t'a essayé traverser frontière après Zak assassinat ça fin fait caille président. Pour finir, eh bien une voix d'outre tombe prononça cette parole: une guerre mettra en face des hommes de même clan. Celui qui trouve au fauteuil présidentiel connaîtra la mort à cause d'une trahison. Le pays deviendra un fleuve de sang. Partout, il y en aura des cadavres. Encore une fois, des bottes étrangères fouleront le sol sacré des ancêtres. Après un coup de temps de guerre, il viendra celui qui fera Haïti une terre pour laquelle brilla le soleil du progrès durable. Des chefs du pouvoir mourront à la file entre les nantis. Les hommes d'affaires, il y aura une guerre qui causera la mort de beaucoup d'hommes de couleur. Dans les rues, les chiens lécheront des cadavres. Il pleut, malheur sur Haïti. Les quatre éléments, dont l'eau, la terre, l'air et le vent, seront en colère contre Haïti. N'a fait place à Voix de l'Amérique pour cette information nationale et internationale. N'a pas tourné dans un petit temps qui pas trop long. Mesdames, messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizère depuis Studio 18 La Voix de l'Amérique. Dans Washington, nous comptons l'autre fois encore avec vous pour nous actualité à, surtout dans le pays d'Haïti. Grand point cap dominé actualité à, président Jovenel Moïse mouri assassiné dans résidence li. Bonheur jeudi mercredi et 7 juillet 2021 après un commando armé a lancé une attaque qui prend la ville et qui blesse tout première dame nan Martine Moïse. Docteur Claude Joseph, toujours dans le pays d'Haïti, qui est premier ministre AI, déclaré un état de siège et décrété 15 jours d'œil national pendant que les lancés ont appel au calme à la population. Et puis plusieurs pays avec organisation internationale, parmi eux, organisation État américain avec Nations Unies, condamné l'assassinat du président Jovenel Moïse là, et ils ont demandé pour traîner même commando qui commet criminel devant la justice. Donc c'est pour ça, avec l'autre encore, nous pourrons le développer pour aujourd'hui dans un programme spécial. Yo l'autre fois encore, bienvenue dans le développement. Donc, tant qu'on te dit le gros nouvelle là, c'est président Jovenel Moïse qui mourit. C'est gros nouvelle ça qui fait le tour du monde. Premier ministre AIA, docteur Claude Joseph, bonheur dans ma tête après le confirmé nouvelle assassinat président Jovenel Moïse sous plusieurs radios dans la capitale là. Avant les pita dans journée, il te mettait un message devant le peuple haïtien pour le décréter un état de siège. Et il dit tout dans adresse que petit président en sécurité, première dame nan a pour recevoir soin, première dame nan qui recevoir blessé dans attaque là. Mais avant, nous retourner sous déclaration premier ministre et à docteur Claude Joseph. Pendant ce temps, nous gagnons avec nous ambassadeur pays d'Haïti dans Washington, Bokchi Edmond, qui déjà fait plusieurs présentations et jodia, notamment pour presse internationale là, dans Washington. Ambassadeur Edmond, c'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous accueillir sur la Voix de l'Amérique. Bon, c'est un plaisir pour moi avec vous, même là, c'est une circonstance qui est vraiment regrettable. Et ambassadeur Edmond, et oui, c'est une situation regrettable et en pile monde besoin d'informations. Il y a un commando entré la caille président. D'abord, il y a un pile rumeur qui a circulé sur la situation. Et première dame, nan, qui soit Kadino, qui dernière nouvelle ou gen pour nous? Bon, on va dire que première dame nan li atterri li Miami, li va prendre soin dans l'hôpital et gon avion qui était évacué le matin. Et parce que selon information gen, li situation stable, mais li ka non situation non état critique, mais espérant que docteur va sauver li. Et ambassadeur Edmond, gon question qu'a posé et président c'est premier mandataire de la nation qui non résidence hautement sécurisée. Qui j'en pour un commando fait entrer et puis nous pas tant des blessures, il y a beaucoup dit nous gain affrontement. Qui information gain sur ça? Bon, parler d'information parce que pas gain, parce que comme autorité a fait enquête, penser enquête ça va révéler exactement ça qui passé. Et pour le moment, m'pas faire spéculation, m'pas vraiment faire commentaire sur ça que m'pas gain comme information.
Et qui échange ou gagne avec l'autre organisation internationale? Donc, nous connaissons que Abjou Wall, représentant pays d'Haïti dans OEA par intérim. Nous connaissons que en contact avec la Maison Blanche. Dis-nous, qui j'en échange sous situation dans le pays d'Haïti? Bon, matin, nous avons une conversation avec Maison Blanche. Nous avons discuté sur la présente situation. Et nous avons présenté la question de sécurité qui est grave. Et basé pour réfléchir sur les tout. Et pour l'OEA, bon, c'est sûr actuellement là. Les affaires m'ont arrêté avec vous parce que c'est sur une grande dernière décision qui prend. Et demain matin, le Conseil de sécurité des Nations Unies a réuni sur Haïti. Et ambassadeur Bokchi Konya et PIA, tu as gagné un premier ministre que défunt président a choisi, gagné un premier ministre AI Konya qui prend les rênes du pouvoir. Et légalement, qui en sait? Bon, écoutez, mon premier ministre qui était nommé, mais malheureusement, il n'y a pas de copain en fonction, parce qu'il était en processus pour former un gouvernement. Et comme mon gouvernement qui était toujours là, en place, et je pense que le premier ministre par intérim, il y a une obligation pour les prendre contrôle de la situation en attendant que y ait une clarification sur le processus. Là. Mais il est important, il faut que le pays ait des autorités, et par devant la face internationale, il faut nous montrer qu'il y a des interlocuteurs. Et par contre, le Premier ministre par intérim, non, c'est lui qui est en charge, c'est lui qui préside le Conseil des ministres pour le moment. Et nous, tant de rencontres côté guerre avec la presse internationale, et vous demandez une aide bon côté communauté internationale là, par rapport à la situation, nouveau développement ça, en Haïti. Est-ce qu'on a plus ou moins explicité nature et aide ça? Ah bon, tout simplement assistance technique, question de sécurité, renforcer la police nationale là et pour mettre point de décision, ça qui concerne nous. Parce que Jean-Baptiste est là et il est important que faut qu'il y ait un accompagnement de Haïti et dans sa capture. Et je pense que la nécessaire pour sa fête. Et aide, il y a une assistance technique, il y a sous plusieurs formes. Et il y a des gens qui ont dit aide, des gens demander assistance, il y a assistance militaire. Et nous n'avons pas besoin de craindre ça? Pour surmonter. Bon, écoutez, nous n'avons pas besoin. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est que les autorités pour qu'ils évaluent ça gagne avec l'international là, pour qu'ils connaissent comment ils ont aidé Haïti. C'est pas un bagage nous avons à la légère. C'est une situation qui existait. Et cela veut dire que l'important pour l'autorité de discuter avec partenaires internationaux pour voir dans quelle mesure et quel type d'assistance qui est nécessaire. Mais l'essentiel, c'est que pour nous admettre que bon problème. Et si on commande un étranger rentrer dans le pays, il tue un président après le lever de sortie comme ça, ou bien s'il est toujours là, ou bien beaucoup de sortie, et c'est inacceptable. Et parce que la police noire est sous-équipée. Il y a une série de structures qui passent solides suffisamment. Mais c'est nécessaire pour une réévaluation totale et de système de sécurité, non? Parce que c'est important pour ça, en fait. Ambassadeur Edmond, je connais que vous devez aller pour la réunion organisation État américain. Est-ce que vous avez un bagage que vous avez dit, Peuple haïtien, dans ce moment-là? Bon, Peuple haïtien, pour qu'il y ait calme, même si c'est une situation regrettable, c'est un moment qui dure pour nous tous, c'est un choc. Mais on essaie d'utiliser ce moment-là pour nous unir, nous, pour nous suspendre division. Pour nous, ouais, futur pays, ça, futur Timon, demain, qui paye la quitte pour vous. Ambassadeur, bon, merci pour disponibilité. Merci. C'était ambassadeur pays d'Haïti dans Washington, Bokchi Edmond, qui tapait par la venue de grand point cap dominé. Actualité, à, pas seulement en Haïti, mais actualité mondiale, là, c'est assassinat président et Jovenel Moïse, Lakaili, bonheur matin. Et tant qu'on a dit, nous allons retourner sur la déclaration que le Premier ministre AIA, Dr. Claude Joseph, fait, côté que les décrétés ont état de siège sous PIA. Entendez, Dr. Claude Joseph, qui est Premier ministre AI. Chef gouvernement qui est toujours en fonction, moi, une matin, un CSPN est spécial. Dans strict application article 149 constitution on fait que ce président un conseil ministre à l'extraordinaire côté nous décider déclarer état de siège sur tout le pays on partager la peine madame président qui était trouvé ensemble avec lui en soirée ça. On partage la peine, petit président,
qui c'était en priorité pour moi depuis le matin, pour être en lieu sûr. Je demande aux populations pour garder calme. Je fais appel à l'intelligence des Haïtiens dans un moment difficile. Ça. Frère Maxime, nous connaissons qui bataille le président Tapmenin. Nous connaissons le président Jovenel Moïse. C'était un homme qui vient pile courage. Tout le monde, tout secteur dans le pays a doit faire un seul pour condamner ce qui arrive. Les Haïtiens, gardez calme nous, parce que la situation est sous contrôle. Conseil ministre, nous réunis, je ne sais tout à l'heure dans la stricte application article 149 là, pour assurer la continuité de l'État. Président Jovenel Moïse, pape mouri sans le pavé de justice. Au Katouyel, au Katouyé, président Jovenel Moïse. On va Katouyel l'idée lui. Société nous souhaite. Pays nous voulons construire. C'est dans le respect principe et jouette démocratie pour nous arriver à jouer. Ce n'est pas dans l'assassiné du monde qui gagne une idéologie différente à quoi. Je demande toute force vive nation accompagner nous dans la bataille. Toute force vive nation accompagnez-nous dans la continuité de l'État. Parce que cette démocratie, cette république-là qui peut gagner. Force fait noyau, il a perdu quand même. Quoi fait pays à mal? Quoi fait nation à mal? Et coup ça, l'amour ça, il n'est pas prêté sans le pas puni. Encore une fois, sympathie avec famille, amis, alliés, président Jovenel Moïse. Je remercie CSPN que je préside jeudi à l'extraordinaire, tout ministre qui est sous pied. Deux pieds depuis le matin. Parce que ça qui passe, il faut nous comprendre. Auteur, assassin, président Jovenel Moïse, il a payé ça a fait devant la justice. Gardez calme nous. Sécurité pays a sous contrôle. Force vive nation. En nous chercher harmonie, en avancer ensemble, pour pays à pas sombrer dans le chaos. Merci tout le monde. Donc c'était Premier ministre AIA, Dr. Claude Joseph, dans mi-temps journée, qui mettait message devant la nation sous assassinat président Jovenel Moïse. Bonheur matin, t'as qu'on entendait Léon Commando qui t'a parlé panyol et anglais, t'es entré la Kaili et puis yo assassiné et madame ni a recevoir soin konya takou nous attendez ambassadeur Edmond Bouchi Sodil et ben la recevoir soin et à l'étranger. Donc son situation très compliquée avec président Jovenel Moïse qui mourit matin. Autour de la voie de l'Amérique, permet depuis Washington DC qu'on y a n'a entré dans chapitre réaction surtout et à l'étranger
Napral d'abord et rejoindre Sandra Dominique, le maire, qui lui-même et pral gain l'autre réaction. Nous connaissons que la France réagit dans nos conseils de sécurité Nations Unies qui condamne l'assassinat. Et Sandra a gagné tout et Washington qui réagit notamment président Joe Biden, gagné tout Nations Unies qui réagit et gagné OEA qui réagit et qui pral gon réunion là dans un petit moment. Sandra? Bonsoir Jacqueline, bonsoir tout le monde. Ça fait un petit temps nous pas parler ensemble. Justement Jacqueline, donc par rapport avec rencontre l'OEA, Organisation État Américaine, a fait sous Haïti, il a commencé à 2h30 après-midi, il est toujours à dérouler. Kounye là, c'est ambassadeur haïtien dans Washington, Bouchi Edmond qui a parlé, la première tout le monde pour support que vous avez à Haïti, demander pour vous condamner à toute force l'assassinat du président Jovenel Moïse, demander pour vous aider Haïti à renforcer la sécurité, et puis tout mener enquête pour joindre les gens qui sont coupables pour l'assassinat. Ça. Donc, tout pays à la Rwanda et les États-Unis, Canada, Brésil, Salvador, République dominicaine, Saint-Lucie, Bahamas, Barbade, Panama, tout pays à la Rwanda, yo tout condamné assassinat président Moïse jodi, yo tout fait connaître que yo solidaire avec peuple haïtien, yo dit que yo gen gros cœur sauté pour situation sécuritaire là en Haïti. Yo dit que yo appuyé tout effort qu'a fait pour gagner démocratie en Haïti, pour traiter en démocratie. Et puis l'autre bagaille là, comme dire que ambassadeur américain hein, et non l'OEA, Brad Friedan, fait qu'on est non seulement au gros saisissement que il s'est gagné le lit après nouvelle an, mais il fait qu'on est que les États-Unis paraient pour lui faire n'importe qui ça qui est nécessaire pour aider Haïti, et il lance appel à tout acteur politique yo, en Haïti pour yo mettre sous côté toutes les années que yo gagné entre yo, toutes différences personnelles et pour yo travailler ensemble en faveur du peuple haïtien. Et Sandra, demain tout, ap gen tan kou ambassadeur sou di la, yon réunion spéciale sur Haïti dans l'ONU. C'est ça, et le Conseil de sécurité de l'ONU a gagné une rencontre sous Haïti demain. Donc, l'app suivre la rencontre ça. Pas nous dit, Jacqueline, que yo fait une rencontre jeudi en tout, mais c'était une rencontre privée pour discuter sous assassinat. Et faut nous dit tout que le secrétaire général des Nations Unies s'est fait paraître, s'est publié une déclaration sous situation en Haïti sous assassinat. Côté que les condamnés à toute force, il fait connaître que les Nations Unies condamnées à toute force l'assassinat du président Moïse. Il fait connaître que Fok, monde qui commet crime ça et paraît devant la justice, les exprimer condoléances, les peuple haïtien avec famille défunt président Moïse. Et il fait connaître que les lancer appel by tout haïtien pour yo préserver l'ordre constitutionnel, pour yo préserver la sécurité pays et rejeter tous les actes violents. Merci Sandra. Sandra et Dominique, qui l'ont-elle pas parlé avec nous, mais je dis à nous son nouveau départ, là-bas avec nous encore demain, m'imaginez. Et donc, merci Sandra. Mais qui est la situation dans la capitale là, dans la zone qui tout près de la capitale là? Nous parlons d'abord dans la zone résidence président Jovenel Moïse, défunt président Jovenel Moïse, côté quelques résidents dans la zone là. Abdi-nous, qui gens yote vive événement ça? Paquet de cartouches et que bat penser si c'est ça qui est arrivé, me penser que bon, comme tu as un match, mon cœur est content, il a fêté. Bon, c'est apprendre, m'apprendre ça dans la nouvelle tour, même genre avec nous. Il commence dans 1h du matin. Okay. 1h du matin et il finit peut-être 2h. Je travaille à 7h du soir, excusez-moi. Et je vais remarquer si je ne suis pas parce que je suis sur moto, juste pour moto, je vais mettre la caille. Ça nous a dit,
nous victimes de propre insécurité, non? Et nous souhaitons ça pas reproduire encore, mais nous souhaitons l'autre président qui gagne pour l'assurer et que pour l'autre. Ou toujours sur la voie de l'Amérique qui permet depuis Washington et d'ici nous t'attendons quelques habitants dans zone pèlerin qui t'appellent réagir sur qui Jean yo t'attendait bayo dans zone côté ya dans pèlerin et c'est qu'on y a nous pour rejoindre correspondant dans Port-au-Prince Renan Toussaint et rapidement dis-nous qui Jean capitale là est nous connaît que depuis matin bah là on tient tête chargée là avec assassinat président Jovenel Moïse là qui genre situation est dans Port-au-Prince ou dans zone aéroport dans zone Delma dans grand artério. OK, là dit que zone aéroport international tout une ouverture pas de circulation automobile et aéroport fermé on connaît avion pas voler, c'est des mesures que premier ministre là lui-même lui prend dans conseil des ministres que j'ai dirigé, toute zone d'Elma et zone Chanmas, pas gain aucune activité qui fonctionnait dans le pays d'Haïti. Donc, on va commercialiser tout magasin fermé. Et normalement, on va voir c'est quelques grands monde qui a circulé à pied. Donc, on peut dire que il y a un peu de réactions qui tombaient, notamment au niveau de la présidence du Sénat de la République. Le président du Sénat, le sénateur Joseph Lambert, lui-même qui dit, lui émotionné en pile, le fait qu'il apprenne qu'ils ont assassiné le président en fonction, et ça a étonné, ça a frappé en pile, mais cependant, il constate le crime, ça, son crime odieux d'après ça le dit, mais lui lance un appel urgent pour nécessité qui est pour gagner un grand dialogue inter-haïtien pour capable de déterminer l'avenir. Pays d'Haïti, Jacques Belizer. Donc, qui est en situation de sécurité? Est-ce que Jodia, Pagan, est-ce que qui j'en présence policière, me devait dire, qui a présence policière, par exemple, Palais National, Zone Sayo, est-ce que nous avons présence policière qui puis manifeste, qui est renforcée par rapport à l'autre jour? Oui, tout à fait. Quand vous êtes à l'aéroport international, d'où c'est l'ouverture, il y a plusieurs backup policiers qui ont fait sécurité et qui ont blindé la police tout. Et dans la zone via Ducla, côté les cafés résistance là, il y a des policiers, il y a plusieurs policiers qui sont là. Et dans la zone en bas la lui, par exemple, les policiers ont fait check routine, quel soit le monde qui passe là, ils ont checké. Là, je me pose des questions pour me dire, mais moi, bon, sécurité. Sécurité à l'enfance, et puis policiers répondent pour nous dire que nous connaissons le pays en état de siège. Donc, il y a checké tout le monde, même si des journalistes sont là, il faut que checké pour garder l'identité. Parce que pas oublier que nous faisons connaître, eh bien, c'est des monde qui ont des nationalités étrangères qui ont débarqué en voie dans la résidence privée, président Jovenel Moïse, qui a assassiné. Donc, c'est notre ça. Eh bien, ils ont renforcé la sécurité dans toute zone adjacente. Port-au-Prince, il est visible vraiment, tout le journaliste capable, il y a une mesure de sécurité qui est renforcée dans le cadre du fort pour calmer la population, avec espoir, comme quoi l'ordre de la sécurité rétablit, parce qu'on connaît que Dr. Claude Joseph, il a fait appel au calme pour la population, qui est inquiète depuis le matin qui passe aussi. On voit tout le monde, par contre, ça va passer demain, ou bien plus tard, à acheter de l'eau, à acheter du riz, etc., à mettre la caillou pour connaître. Si par exemple, l'autre jour qu'on venait là, la situation a été même, pour être capable de donner un moyen adéquat pour être capable de suivre la caillou. Merci, Renan Toussaint. Renan Toussaint, c'est correspondant dans Port-au-Prince. Et pendant que nous parlons là, il y a une réaction qui sortit dans les Nations Unies. Et dans les Nations Unies, côté que la France lui-même qui prend une position sous nos conseils sécurité, et une autre fois encore, il est condamné. Nous connaissons que dans le moment où on a parlé là, il y a une organisation État américain qui a réuni et président ambassadeur pays d'Haïti dans Washington, Edmond Bouch, qui était avec nous, et bien actuellement en réunion OEA, mais en entendant la France lui-même qui prend une position sous nos conseils sécurité Nations Unies, et malheureusement, et Régis fait nous connaît que il y a un problème qui empêche que nous joignions. N'a pas rejoindre Jean-Robert Philippe. Nous pas rejoindre Jean-Robert Philippe lui-même qui gagne l'autre réaction par rapport à l'assassinat et ça qui fait. Nous connaît que il y a une réaction qui sortit à l'étranger, mais il y a une réaction tout qui sortit localement. Et Jean-Robert, qui soit qu'a dit nous sur ça?
Effectivement, Jacqueline, et réaction qui sortit d'abord en un pays étranger, il y a tout pays Amérique latine pratiquement qui condamné ça qui passait en pays d'Haïti, puis font en pays ça. Il y a tout gouvernement dominicain, par exemple, dit même tout qui prend des mesures. Par exemple, il a déjà annoncé, président Luis Abinader a annoncé que pour frontières fermées jusqu'à nouvel ordre, il a déjà déployé un contingent soldat dominicain pour aller prendre position sur frontières, pour suivre frontières, pour assurer sécurité qui doit gagner zone. Sur le plan local, par exemple, l'idée politique, en fait, c'est tout un seul, toute l'idée politique et regroupement politique, mais pratiquement, et Jacqueline, il fait voir le front seul, puis il condamne ce qui passe, puis il condamne ce qui passe pendant qu'il lance appel tout, par la population, puis il demande la population, pour ne pas profiter de l'occasion, pour sortir dans la rue, à faire pillage, à faire des ordres, au côté de tout le monde, même Jean Appel qui rejoint sa première ministre de lancé, et pour au calme, pour tout le monde calmer, parce qu'en attendant, pour que l'autorité vienne, puis il y les mots d'ordre, puis il dit qui ça a fait, et qui côté avancé à partir de jeudi. Et nous connaissons que gain réaction qui sortit tout dans classe politique là. Moi t'es capable par exemple li gain ancien président Michel Martelly qui réagit, gain docteur Reginald Boulos qui c'est leader MTV et ou gain réaction ça yo. Oui, Jacqueline, liste est vraiment longue. C'est de rajouter, non, ancien président Justin Privert, par exemple, tout qui lui-même tout ajouté, voilà, et qui condamne ça qui passe, et qui mandé autorité, pour faire tout ça, qu'on connaît, puis dégager, jouer le monde qui posait action ça, et mettre mes souliers, retourner, devant la justice. Bien, tout, par exemple, et ancien sénatrice, et bon, Sublis Bozir, qui c'est peut-être premier voix qui était sorti matin, pour le condamner ça qui passe, et qui était même fait une déclaration pour le dire que c'est vrai que, président et Jovenel Moïse, c'est adversaire nous lié, mais il n'y a pas non point pour nous, pour nous t'assouter la mort et que le condamné chaque passé avec une main d'autorité, pour y'a fait tout ça capable, tout ça qu'on est, pour y'a mettre main sur le monde qui t'a commis des actes là. Mais tout ça, ça a profité tout pour te dire que, et parti, il y a dans l'an, peut-être ensemble avec l'autre membre coalition qu'il fait partie à tout, mais t'as pas réuni eux-mêmes pour y'a parlé, pour y'a bah, on repose dans les 72 heures, pour peut-être, parler avec le gouvernement actuel là et pour dire qui ça a été, quoi qui doit faire dans le moment ça. Est-ce qu'on vit d'institutionnel? Non, parce que l'ancien premier ministre, le premier ministre et Jean-Claude Joseph, les mêmes, c'est lui qui est en charge, mais qui ça qui doit faire? Qu'on y a passé un paquet de dossiers qui sont tapis et que il y a dû avancer et que donc tu vas regarder toutes déclarations que l'idée au fait même par exemple ancien direction et Dioport par exemple fait des déclarations tout pour protéger tout et pour condamner ça par ça. Donc c'est toute une solidarité, toute une tête ensemble que tout le monde, tout leader politique a peut-être raï, c'est ce qui peut apparaître, mais tout ça qui peut faire déclaration, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien encore sur les comptes personnels, mais ils ont tout condamné, ça qui passe à que tout son bail qui normalement pas de place actuellement dans la société démocratique. Et Jean-Aubert, je connais que malheureusement, nous n'avons pas joué pour téléspectateurs. Nous avons travaillé sur quelques hommes de la rue. Qui est un homme de la rue à Well? Et est-ce que vous pouvez résumer rapidement pour nous? En gros, nous avons dit homme de la rue à la même genre. Par exemple, il y a des gens qui disent que ils n'ont pas souhaité que le président Jovenel Moïse était mort et était mort de façon ça parce que ça a été souhaité eux-mêmes. C'est pour te comparer devant la justice. Mais il y a l'autre monde qui dit eux-mêmes que. Et ça qui passe, c'est à eux déplorer lui, eux condamner lui, et que le président Jovenel te fait tout ça capable, il n'y a pas aucune raison pour te mourir, parce que même qu'il y a un monde qui dit lui-même, il est prêt pour mourir, parce qu'il est condamné, lui-même, non, j'ai dû être sous quel secteur penser que qu'il est même ta responsable assassinat ça. Et Jean-Aubert Philippe, nous avons fini le programme plus ou moins avec une note plus réjouissante. En parlant de sport, Roger Federer est aujourd'hui a tombé sous surface de prédilection. Et puis, dans la douleur, Argentine, Calais, Colombie, hier soir pour la finale. Et puis, gon Danemark avec Angleterre qui a déroulé là. Oui, définitivement. Jean-Aubert, content de bien parler de ce sport. Jacqueline, il est toujours 1-1. Donc, vainqueur en contre ça, il parle en contre avec l'Italie. Nous rappelons l'Italie, lui-même, il élimine l'Espagne. Et puis, la bonne nouvelle pour nous, même Haïtiens, malgré nous, n'en doulons pas nous. Oui. Ils sont Haïtiens, donc Grenadiers, ils ont qualifié pour Coupe de CONCACAF là. Ils ont même ensemble avec Guatemala et puis, il y a toute l'équipe Trinidad Dato qui complétait 3 places, qui vient mettre total à 16 pays qui ont participé dans la Coupe de CONCACAF là, qui a commencé le 10. Et puis nous dit que c'est la vie pendant que pays a vivre une situation tête chargée comme ça, mais fanatique Bouliorité a attendu un classico entre le Brésil avec l'Argentine.
nous connaît oui en pile ba dit pour Messi pour Diabio dit que espère que Messi au fois la BC ba Argentine yon coupe qui est aussi important parce que Argentine vient dans deux finales déjà il pas pa, ça pas marché et espère fois ça que Messi t'a semblé que li préparé li en forme pour l'Ouest s'il t'a cap au moins ba pays yon trophée qui est aussi important pour Argentin yo mais tout pour région en tout. Et nous connaissons que dans quel moment que l'Argentine était de organiser compétition, mais malheureusement, problème sanitaire fait qu'il pas organisé compétition. Mais son France final classique, j'en dis là, et tout le monde est attendu de parler au final comme ça, et non seulement pour nous être pour nous bon boulot à couler. Eh bien, ok, merci Jean-Robert. Jean-Robert Philippe était parlé avec nous par Skype depuis Buroli pour le débat nous. Et quelques réactions et puis parler sport. Nous pratiquement arrivés dans fin programme. Non, mes amis, après rappeler nous, grand point, qui était dominé l'actualité parce que c'est un programme spécial que nous avons gagné. Pas oublier que nous avons l'autre programme, nous avons un programme à 5 heures encore, l'heure Washington, et parce que la Voix de l'Amérique décrétait la permanence avec assassinat président Jovenel Moïse, ça qui arrive matin, bonne heure, je vous dis mercredi, après un commando a mis entré la CAI, lancé une attaque. Et tu es président, madame Ni est blessée grave, il est actuellement à recevoir soins à l'étranger. Merci Demarat, merci Zorniak, merci tout l'autre monde qui t'a participé dans le programme. Moi c'est Jacques Lambélizer. M'ramasser paquet moi, cause habitant pas misé la ville. M'praler, mais m'a quitté dans bras papa bonji parce que c'est lui même seul qui capable protéger ou ba ou la vie avec la santé. Bonjour bonsoir tout le monde, n'a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir.